Alors, on me dit que c'est vert. Yo les amis, pour la troisième fois, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Sur Minecraft, je commence à perdre patience, je vais pas vous mytho. Du coup, heureux pour tous ceux qui étaient déjà présents. Et pour la team Reddit, si vous comprenez pas, il y a eu des bugs avant. Du coup, c'est la troisième fois que je relance le live. En espérant que cette fois-ci, tout est bon. On se retrouve sur Minecraft, le sixième épisode de Minecraft 3M Legends. Je suis toujours en compagnie de mes deux acolytes, bien évidemment, Sora et Marie. Du coup, coucou à vous deux. On me dit que c'est vert. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live. Et gros, ton live, il est toujours en 1080. Non, ouais. Non, non, je rigole. Ah non, tu m'en fais peur. Arrête, mais pas ça. Pas des bails comme ça, là. Et ça ne bug plus. Ah, enfin. On va pouvoir enfin faire le live, les amis. Du coup, n'hésitez pas à remettre le pouce bleu. Oh là là là. Je vous l'ai dit que c'était vert, c'est pour ça. J'ai vu ton regard, Fritz, qui s'est éteint. Ah, mais là, j'ai eu peur. Là, actuellement, il n'y avait plus que mon corps qui était présent. Mon esprit était perdu. Je te donne le journal de bord. Ah, donne-moi le journal de bord. Il est là. Yes, je le prends. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on va tout simplement aujourd'hui partir en direction de la grotte pour essayer de récupérer des ressources pour nous faire un bon petit stuff. Du coup, voilà. Alors, je vais juste enlever le mode créatif parce que je l'avais mis pour ne pas perdre de vie. Game mode 0. Oui. Voili, voilou. Ça, c'est bon. D'accord, j'ai enlevé le mode créatif. Je n'ai plus la musique de Minecraft. Très bien. Merci. Ok, bon, du coup, journal de bord. Tu me l'as donné. Alors, qu'est-ce qu'a mis Riri dessus? Moi j'écris beaucoup, moi j'écris des pavés. Oh, les gars, dehors c'est le futur. Ouais, alors attendez, hop. On va revenir juste. Attends, page de transition, j'avoue, j'ai zappé la page. C'était pas là. Attends, je vais me resoigner. Là, ça, c'est le petit truc de Sora. Notre nouvel objectif, construire une maison du futur de l'espace sur pilotis. Comme soit la voix. Donc ça. T'es ça. En full cam, Fritz, c'est jamais. Je vais vraiment commencer à péter un plomb. Franchement, pour la vérité, là, ça veut, là, c'est les pouvoirs, c'est des puissances divines qui te disent écoute, Fritz, ne fais pas. Non, mais, non, mais là, mais je sais pas comment je dois me sentir actuellement, mais franchement, ça commence à me saouler. Ça veut dire que pendant deux minutes, comme un con, j'avais ma grosse gueule là en plus. J'en ai marre, putain. Du coup, je disais donc, j'étais dans mon journal de bord que vous n'avez pas vu. J'étais en train de checker les pages. Alors, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. E est revenu à la vie, paraît-il, qu'il voulait faire un tour dans le cimetière, mais il est revenu. Sur le chemin du retour, Sora a louché, parce qu'il a vraiment des problèmes, du coup. Il a attiré deux Enderman dans la maison. J'étais ravi, évidemment. Marie était ravie. Oui, c'était moi qui écrivais, du coup. C'est voilà, ça, Marie, du coup, c'est... elle parle... voilà. En parlant voilà, d'elle. La première fois, c'est vrai. C'est ça. Puis on a perdu eux dans la nuit parce que ces nouilles ont trop sécurisé la base. Les nouilles, mais évidemment, ce n'est pas nous. Hein, c'est notre personne. On parle bien des nouilles, à manger, nouilles. Tu vois. Ont trop sécurisé la base. Puis, de bon matin, ils ont retrouvé eux. Et je suis okay. Désormais sécurisé. Adieu, Riri. Jour 6. J'ai l'impression d'être dans 60 secondes. Hein. Le manque... <C'est ça>, quoi. le manque... Je parle trop. Faut pas me laisser ces trucs-là parce qu'après, moi, j'écris trois pages. Mais je vois ça. Le manque de nourriture nous fait devenir fou. Mais j'ai vraiment l'impression d'être 60 secondes. On est en train de s'entretuer. Fritz voit des canards invisibles. C'est terrible. Personne n'écoute. Personne ici. Qui sont-ils? Combien de temps allons-nous survivre? Eh ben, je vais mettre. C'est 60 secondes la vérité. Mais de ouf. Du coup, je vais juste mettre. Nous partâmes. On me dit que c'est vert. Du coup, nous partîmes. On me dit que. Attends, je vais le mettre. On me dit que c'est vert. Du coup, nous partîmes. Du coup, ce journal, si on le perd, franchement, je pleure. Oh, moi aussi, ah, de ouf. Du coup, nous partîmes. Nos aventures, Nous partîmes, attention. Avec la magnifique pluie, hein, j'adore le bruit de la pluie. Hein. Nous partîmes en direction de la grotte. De la grotte. Ce qui nous réserve bien des, grottes, parce qu'il y en a trois. Des oui. Surprises. Ah, regarde. Oh non, c'est moi. Starfool il a. Ça va, Roxé. Il a même pas marqué, c'est une blague. Si, je suis dans l'eau, actuellement je suis un poisson. D'accord, très bien. Je me suis dit putain, le mec, indéconcentrable quoi. C'est ça, imperturbable. Le mec a perdu. Oh, attendez, j'ai fait une connerie, je pense. Du coup, voilà, c'est bon. Le journal des morts, j'ai écrit la page dedans. Et je vais le garder sur moi. Vraiment, hein, écrit je vais le garder sur moi. Comme ça, là. J'ai écrit Starfouilla. Alors,
Ça va roxer du buisson. Ça roxer du buisson. Par contre, j'ai fait une connerie. Que ça j'espère fait que ce sera. Bah, j'ai cliqué sur signer. Et... Ah, du coup, t'as signé le livre. Non, t'as. Et j'ai peur que ça termine le livre en fait. T'as annulé ? Fais voir, donne-moi le livre. J'espère pas. Mais, bah, sinon, on en refait un deuxième, c'est pas grave, on en fait deux, tu vois. Un tome 1 et un tome 2. Mais ça me ferait chier quoi. C'est dommage. Merci. Attends. Mais... Je te l'envoie, hop, je te le gerbe. Et du coup, Gerdina, Audi, les 3M, ça va ? Bonne expédition. Merci, Gerdina, ça va super. On va super bien. Comment tu vas ? Merci beaucoup en tout cas. Ouais, très bien. Merci. Du coup, t'as vu, j'ai signé bon le livre. C'est bon ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu l'as annulé, ça passe. Ah, et tu vois, je le savais, c'est un prank. Je vous ai pranké, les gars, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on rigole. Par contre, arrêtez les potes, ça me défend les oreilles. Si jamais, comme ça, je vous soigne, vous avez une base. Mais depuis quand t'as ça, toi? Bah, c'est juste, je vous soigne, parce qu'on est même pas sorti, du coup, on perd de la vie, c'est pas juste, quoi. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Là, du coup, je vous soigne. C'est bon, t'as toute ta vie, gros, ou pas? Ouais, moi, j'ai toute ma vie, ouais. Il faut juste que je boive un petit coup. J'ai toute ma vie. T'as toute ta vie? Arrête de me gerber du sang dessus. Ouais, arrête. J'ai toute ma... Allez, je bois vite fait. Du coup... Et eux, il a toute sa vie. Il a toute... Eux, il a toute sa vie. Et bah, du coup, ça va être compliqué, mais on va aller vers la grotte de l'extrême. C'est la nuit, on dort déjà, on va chercher de la boue. On va peut-être dormir, on va se calmer. Je veux bien qu'on ait chaud, mais quand même pas la nuit, hein. Hop. Avec toujours en compagnie de eux. Mais eux, on va le laisser à la maison. On va pas risquer quand même qu'il meure. Surtout qu'il a déjà ressuscité. Il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Oui, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une exode, mais de tous les animaux de cette planète. Et là. Ah oh ! Il y a les ours ! Il y a quelques dauphins sur la droite. Ouais, 2-3. Attends, je veux juste. Il est devant la porte, les potes, mais je sais pas s'il va pouvoir y aller. Regarde. Non, c'est bon. Regarde. Attendez. Tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Oh, il y a un ours là-bas, il y a des dauphins aussi ! C'est génial ! Attends. Mais c'est ouf. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh non, on peut aller. Attends, on peut aller dessus. Ouais, okay, on peut aller sur les dauphins. Oh, je suis sur le dauphin. Choose your pet's name. On peut leur donner des noms. Et comment on fait? Ouais. Comment on fait? Attends. Choose your pet's name. Comment on fait? Je sais pas du tout. La chaîne de Merlin qui me dit coucou Fritz, tu savais que le sponsor se renouvelle tout seul. Sinon, je vous adore tous les trois. Petit don des familles. Merci beaucoup, la chaîne de Merlin. Non, je savais pas que ça se renouvelait tout seul. Je pensais que. Moi, je savais effectivement. Ça dépend de comment tu veux faire le sponsor. Ah, d'accord. Je peux nommer le dauphin. Et eh ben, tu lui as donné un truc à manger pour que. Non, j'ai juste fait clic droit dessus. Alors peut-être que j'avais un truc de bouffe sans le savoir, mais moi, je t'ai frappé moi. Attends, oh il a même une barre de vie. Je vais l'appeler. T'as un truc de bouffe, je pense. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il avait, tu penses, Ray, comme bouffe? Un poisson, je pense. Je sais pas comment l'appeler moi, le dauphin. Ah non, un poisson. Ouais, je sais pas. Vous avez pas une idée de nom pour le dauphin? Ouais, je vais l'appeler F. Bah D comme dauphin. Ouais, voilà, D comme dauphin. Ou Mr. Z, ou je sais pas. Ouais, Mr. Z, ouais, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais l'appeler Mr. D. Mr. D, le dauphin. Dites bienvenue, Mr. D, dans le chat. Un nouveau membre dans la famille, on apprécie. Et du coup, il a des petits cœurs. Et regardez, je suis sur mon dauphin. Je suis là, je suis peinard, je suis au calme. Regardez ça. Ouais, au calme, fais voir. Si ça, moi, c'est pas la classe. Je vois pas son nom, moi. Ah, vous voyez pas son nom? Et franchement. C'est peut-être parce que t'es dessus. Il y a eux qui est descendu, en fait, gaffe à eux. Ah merde, putain, mais eux, ils étaient calés dans la porte, je comprends pas. Putain, mais c'est trop bien, du coup, je suis sur mon dauphin. Et voilà, je suis la représentation même du mode posé. Enfin, voilà, du mode posé. Clairement, je suis posé. Ok. Du balécoïsme. Clairement, et bah, je sors de mon dauphin. Et là, on voit Mr. D, Mr. D qui s'en va. Et bah, fais ta vie, mon pote. On se reverra de toute façon. Bon, du coup, c'est après avoir adopté un dauphin. Voilà, bien entendu, bien évidemment. Bien, parce que c'est tous les jours qu'on adopte des dauphins. Du coup, d'aller, tu sais, dans l'espèce de truc qui était en face de la maison qu'on a cassé. Oui. Oui, il est censé avoir un... Bienvenue, Mr. D. Mr. Dauphin. Mr. D. Par contre, gros, ta canne à pêche, toujours de plus en plus longue. Hein. Ah, toujours plus longue. Je dis ça, je dis rien, mais là, tu tiens le bon bout, là. J'ai un poisson. Oh, bien joué. Et toi, là? Toi, Riri, t'es bon? Moi, je tue les animaux autour pour avoir de la nourriture. Bah, je vais aller voir les animaux aussi, tiens. Parce que là, il nous faut de la nourriture, clairement, on est un petit peu dans le caca. Oh, il y a un petit cochonus. Viens à moi. J'ai un dauphin. They see me running. They hate me. Mais quel accent, mais quel homme. Ah là là là. Tu vois F, toi, ou pas, gros? Attends, je vois, attends. Ouais, moi, je vois F. Mais pourquoi toi il reste avec toi? Bah enchanté F, bienvenue F du coup. Ah, Fritz je te présente F, Riri je te présente F.
Bref, attends, faut que j'arrive. J'ai mis la bouffe dans les coffres. Enfin, dans les trucs, enfin, vous avez compris? Yes. Voilà. Mais pourquoi, gros, ton dauphin, il reste près de toi? Le mien, il s'est barré. Moi, ouais, il est là-bas, à l'autre bout du monde. Je sais pas où il C'est est. bizarre quand même. Bah ouais, Mister D est parti. Par contre, l'écrit. Ah, il est là, Mister D, il s'est coincé, en fait. Oh là Qu'est-ce qui là. tire avec des flèches? Je me suis pris des flèches. J'arrive, gros. Tu vas me dire si tu vois Exactement. le dauphin, s'il a le nom ou pas. Il Tu est vois. où F du coup? Regarde, il est là avec E. Attends, je lui emmène un pote. Hé, hey, Oh, attends. il est là, E et F. The Hey, Tune. Oh là Eh, en vrai, on peut faire des courses de dauphins et tout, c'est génial. Ri, t'as pas de dauphin, toi. Nanana. Je peux avoir une canne à pêche Ça, pour pêcher déjà, un c'est poisson? bizarre. Ah, Allez, là, je je vais vais te faire dauphin. plaisir, je vais te pêcher un dauphin. Je vais te pêcher un dauphin. Tu vas pêcher un Je vais te dauphin. Mais en vrai, j'ai même pas besoin de le pêcher, moi. Hein. Tu devais avoir une bouffe, tu devais forcément de la bouffe. Ouais. Mais pourquoi? Et le mien, mon dauphin, il se barre à chaque fois, il s'en bat les steaks de Bon, il moi. reste avec moi, il m'aime, hein. Mais moi, ouais, il s'est cassé, il est là-bas. Je te vois même pas. Hein. Bah, ouais, bah, Eh, justement. reviens! Ah, Pourquoi tu pars, tu vois, eh? il part aussi, gros. Ah Ça, non, c'est mais. vraiment des crevards, en fait. Oh, il y a un requin là-bas, il y a des requins, je crois. Oh, il y a des requins aussi, par contre, faut C'est faire lui, gaffe. c'est un requin Alors, là-bas, le gris, là? faut faire gaffe, les gars. Ah, ouais, il y a des C'est que les requins. requins sont vénères, en fait, attention. Oh, lolo, lolo, lolo. Oh, j'adore les bruits du dauphin. C'est vraiment mon animal J'avoue préféré. que c'est Je l'ai déjà vraiment dit? stylé, hein. En vrai, J'ai c'est dit bien que c'était mon animal stylé. préféré? Oh, tu nous l'as déjà dit. Bah, c'est Plusieurs The fois. Voix Bah, c'est mon 2018. animal. Bah, c'est Exactement, mon j'allais dire. animal préféré. Année 2018, The Voice, on est là, hein. On est là, on est Allez, là. le poisson, oui, il n'y a aucun poisson qui peut venir. Du coup, Mais en moi, gros, j'ai là, un vous essayez de dauphin. choper de la bouffe pour après qu'on puisse partir. Non, j'essaie de choper un poisson pour créer un. Ah, Harry! Ah, j'ai 5 charpies. Hop. Du saumon cru en plus. Magnifique. Oh, lourd. Ah, mais j'ai une canne à pêche, moi, Magnifique. ça va aussi. Du coup, tu l'appelles G? J'ai le dauphin. Attends, fais voir, du coup, je Par vais contre, devant n'importe quel dauphin. tu lui donnes à C'est manger, ouais. assez passionnant, Attends, hein, le viens! pêcher, j'ai pas au mytho. Pourquoi tu montes dessus, monte dessus? Ok, Non, il pleut en parfait. plus. Gros, comment tu sais Tu comment sais. quand ça tire, quand ça mord, comment tu. C'est quand t'as des petites bulles qui vont vers ta canne à Voilà! pêche et une espèce de truc va vers le fond. Et là, je fais Vous clic avez vu? droit. Bonjour, G! Ouais! Et tu peux monter G aussi. Allez, C'est vrai. salut! En vrai, ouais, Mon c'est vrai. Riri, il y a grand juste G, qu'à mon monter sur le petit dauphin, hein. protégé! Tu fais clic droit et c'est bon. Non, non, non. Ah, c'est De bon! quoi? Oh, j'ai eu un poisson! Ah mince, je l'ai ramassé pour toi, je crois. Ah, J'ai très dit bien. c'est mon petit Tu m'as volé protégé. mon Tu poisson. Par vois ce contre, que c'est, moi, c'est G? F, il est parti. Ok, très bien. Plus, Bon, on est en train vraiment de mais s'éloigner de ce le qu'on temps était est, censé le temps faire à est la affreux, hein. Il y a de base. l'orage, c'est juste horrible. Oh, regardez, j'ai un nouveau dauphin. MDR! Mais quoi? Attends, mais tu l'as mis hors de l'eau, Attends, il est ton en train dauphin, de mais oui, il est en train de mourir! mourir! Il est en train de Meurs mourir! pas! MDR C'est bon, c'est bon. quoi! MDR River quoi, non mais attends. Du coup, bienvenue, G. Faut que je boive un coup, moi. On y va du coup, on va dans la grotte? Yes, 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 on y va. Allez, Par contre, parfait. l'orage là, c'est assez bruyant, hein. Pas vomito. C'est vrai qu'il y a Hop. quelques dauphins. Là, on peut clairement plus faire disparaître la pluie grâce aux commandes. Du coup, on n'a pas de chance. Mais pourquoi? Genre, t'as combien de poissons là? Non, en fait, Mais c'est zéro, le mec juste. adopte tous les dauphins En fait, de l'île, hein. Je dis ça, je dis rien. En fait, certains, tu as juste à sauter sur eux. Et tu te mets sur eux, tu peux les nommer. Ok, très bien. Non. Par contre, les requins, j'aimerais bien aller les voir quand même, tu vois, vite fait, juste pour le plaisir. Là, il y a les dauphins. Je suis explosé. Attends, ils sont où les requins? Il y a pas de requins? Ah, mais en vrai, il y a que des dauphins. Ah non, Mais ça, c'est un gros, requin, je crois. t'es vraiment pas gentil. Wow, j'ai eu un éclair qui est tombé dans l'eau. Je sors de l'eau. J'ai vu un rayon laser tomber du ciel. J'étais pas prêt. Bah en vrai, moi je vois pas de requins, je fais penser que c'était des requins de loin, mais il y a que des dauphins. Eh, franchement, les dauphins. Débarrent. Est-ce qu'on en parle sérieusement? Ah, celui-là, je l'aime bien celui-là. Marie Fontaine, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, moi j'aime pas celui-là. Ah, moi je l'adore, hein. Franchement, je l'adopte tout de suite. Je Oh quoi? non! Oh gros, Oh non! allons, Moi allons, j'ai des allons, huîtres! allons, allons, gros. Ah Un oui, peu de respect quand oui, même pour les dauphins, mais hein. vraiment, directement, vous avez des a priori comme ça? Là, je sais pas, ils sont. Je sais pas du tout. Juste, hein, quand on mange une huître, on la suce, hein, on la gobe, hein.
Oui, bien sûr. On sent l'expérience, j'aime pas les huîtres. J'aime pas les huîtres. C'est dégueulasse, vous avez déjà mangé, oh là là. Ouais, j'ai déjà mangé, mais. Directement, des pensées perverses là. Ah, toujours, hein. Toujours. Attends, mais il m'en faut un autre de dauphin. Non, mais c'est bon, tu vois. Les gars, arrêtez avec les dauphins. On doit aller à la grotte. C'est notre nouveau moyen de communication, c'est avec les dauphins. Attends. Hey, pourquoi tu m'as dégagé, toi? Attends, il m'embarque. Hey, les potes. Attends, quoi? Il m'a embarqué, lui. Il m'a emmené jusque là. Mais il m'a embarqué. Il est pour moi, Riz. Oh, il est pour moi. C'est mon dauphin. Mais sérieusement, mais je peux pas aller dessus, moi. Mais genre, le premier que j'ai eu en un coup, c'était bon. Et là, ils veulent pas. Explosé, quoi. Putain, vous êtes vraiment méchants, les dauphins, là. La vérité, vous êtes pas cool. Ah, tu sais quoi, je laisse tomber. Oh non, il y a des araignées sur la plage. Il y a des araignées sur la plage. Allez, ça commence. Et il y a un Enderman sur un arbre. Tout va bien. Il y a l'orage, il y a de la pluie, il y a des dauphins partout. Des araignées, des Enderman sur les arbres. Il y a plus. Il y a vraiment un Enderman sur un arbre. C'est vraiment l'apocalypse, quoi. Hein. Et les araignées vont dans l'eau carrément. Mais sérieusement, mais. T'es cru pour une araignée d'eau, quoi. Attends. Mais les gars. J'étais allé prendre ma douche. Re, Klarouchka. Des bisous. Merci beaucoup. Non, bon, les gars, je vous attends sur la plage. Hein. Parce que clairement, là, dans l'eau, c'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est quoi au passage? Voilà, le petit moutonus, c'est pour moi. Je suis explosé. Mais direct. Alors pourtant, je parlais juste d'huîtres, putain. C'est des requins, ça? Allez, c'est parti. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Ah oui, ça c'est des requins. Ça c'est méchant, ça. Attends, ça c'est des requins. Je le mets dans l'eau. Aïe! Là, on peut se refaire les dents de la mer, là, si on veut. Les gars, il y a des loups-garous, mais. Si on les frappe, il y a un loup-garou albinos. Par contre, il y a un Enderman qui s'est TP. Ah ah! Je l'ai pas regardé. Ouais, il y a deux loups-garous même, hein. Il y a un noir et un blanc. Comme ça, il n'y a pas de différence, tu vois. Oh, il m'attaque. Il m'attaque. Ah oui, il m'attaque. On arrive. Ah non, moi j'arrive pas. Ah non, t'arrives pas, très bien. Non, parce que c'est un peu un minibus en fait. Oh non! De quoi? Merci. Mais non, Ri, tu t'es mis devant moi. Attends, j'arrive! Je vais l'achever! Aïe! Meurs! Aïe! Créature des mourez ténèbres. Tous! Ville créature! Il a combien de vie? C'est abusé! Bah attends, entre les requins et le. Ouais, il a trop de vie, mec! Alors qu'on a une épée en métal, hein! Dis ça, je dis rien! Il va mourir le. Mais une le épée de fer! Ouais, mais il y a les requins aussi! Mais moi, je me suis fait tuer par Frit, donc écoute. Je m'excuse, je suis désolé! Je voulais pas! Je t'ai mis devant! Oh là là! Mais en vrai ils sont et autant les requins que les loups-garous. Oh regarde, il s'est pris un orage, un éclair. Sérieux? Ouais. Et c'était quoi le taux de probabilité que le loup-garou se prenne un éclair dans la tête? Gros, derrière toi il y a un zombie. On va y arriver, hein. Mais et c'est trop la merde. C'est même pas la nuit. Mais non. Pas tuer, hein. Mais non, il veut pas mourir lui, hein. Et non, le loup-garou c'est avec des épées en argent, non? Bah ouais, c'est ça. Ah. Aïe. Vous avez ramassé tout le stuff, les gars. Gros, ils sont sur moi là. Et ils me volent, hein. Bon, je vais tuer. Gros, viens m'aider. Au secours. Il a drop une épée en. Sérieux? Ouais. Vas-y, on le chope. On le dépense. Vas-y, j'arrive. Casse en deux. Mais crève. Meurs. Mais cette vie, Riri, mais. Et ok, c'est oh, bon. Hey, c'est quoi qui se passe là? Et le perroquet, c'est le bordel, il y a trop de trucs qui viennent de partout. Il y a le perroquet qui vient de me gueuler, il y a de l'orage, il y a de la pluie. C'est abusé, des zombies. Vous êtes pas dans le monde des monstres. Bah ben là, on. Ah ouais, mais c'est vraiment le bordel hein, ici. Clairement, hein. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps là. C'est l'apocalypse, vraiment. Du coup. Ah, j'ai drop un sample ça. Ah non, c'est une bande requin. Deux. Et merci Klarouchka, merci beaucoup. Ouais, ça bouge, hein. Du coup, les potes, on était partis dans l'optique d'aller à la grotte, mais j'ai déjà perdu masse vie et j'ai ma jauge de bouffe qui est à zéro. On est des fous. Et bah, clairement, vous êtes motivés. Hein. Ça va être intéressant. Ah, ouais. Au niveau bouffe, là, j'ai de la bouffe crue, quoi, c'est tout. Let's go, quoi. Yes, bah, tentons, hein. Allez, clairement. Après, il y a le village juste à côté. Est-ce qu'on irait faire une petite escale au village? Bah, y'a pas de fou dans le village, c'est vrai. Oh, le requin, il m'a défoncé. Je suis allé dans l'eau, il m'a fait un coup, j'ai perdu la. Bon, fais gaffe, y'a un squelette derrière là, il veut te buter.
Gros, ouais, fais gaffe, il est dans sa ligne de mire là. Bouge, gros. Je vais dans ma ligne de mire. Dernière volonté. Oh là là, c'est le bordel. On a récupéré pas mal de bouffe, y'a pas mal de cochons qu'on pop ici. Au secours! Ok, c'est bon. Ouais, qu'on pop, hein. Yes. Après, il peut nous aider, le creeper. Le creeper peut nous aider à exploser ce qu'il y a aux alentours. Riri, des grizzly! Et le grizzly? Oui! Gentil, le grizzly! Ok, c'est bon. Grizzly en libre! J'arrive! Ok. Oh! Yo, je vais mourir, il me faut de la nourriture. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas là, Riri? C'est la guerre! Tant pis, je mange une côtelette crue. Non, je vais mourir. Et sinon, la pluie, elle s'arrête jamais, mis à part ça. J'avoue que ça commence à être légèrement vénère. Ça commence à être un petit peu relou, hein. Passe mytho, là. Je suis là. D'ailleurs, je vais faire un truc, les amis. J'ai un arc, parce que très clairement, la pluie, ça commence à me faire mal à la tête. Je vais diminuer le son. Les éclairs et tout et tout. Je vais diminuer le son de la pluie. Parce que là, c'est un peu relou. On va aller dans la grotte, comme ça, il y aura plus de pluie. Ah, ça fait du bien. J'ai diminué, ça fait du bien. Ah oui. Si je l'ai. Je revis. Je dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je le tire dessus. Tire sur quoi? Sur lui, là, sur l'ours. Il est derrière toi. Ah, je crois que tu me tires. Par contre, je tirerai dessus. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a Attends, un fou? Ah, mais je peux faire un four, moi, en vrai. Très bien. Bien joué. Je vais faire un petit four juste à l'entrée de la grotte. Devant aussi, là. Hop. C'est fatigant. Alors il me faut une table de craft et je n'ai pas de quoi faire une table de craft. J'apprécie, très bien. Vous avez une table de craft ou pas sur vous? Non, nous on est dans la merde, on est tous dans la merde là. Ah merde, non. Attends, je vois qu'il y a des blocs là, je peux tenter de les récupérer, c'est des escaliers ou des blocs? Il y a tellement la guerre, c'est nain. C'est des escaliers. Non, ah mais là il y a une table de craft, bah voilà. Du coup, les petit four vite fait improvisé. Hop. Ça j'en ai pas besoin. Moi je vais vers l'entrée de la grotte, je vais mettre le four et on va cuire notre bouffe. Parce que là clairement. Je vais détendre sur l'entrée de la grotte pour plus y voir. Yes. Parce que niveau de la nourriture là c'est un petit peu la galère. Donc, je vais mettre un coffre. Hop. Je vais mettre le charbon que j'ai, le peu de charbon que j'ai. Et je vais faire cuire déjà ça. Puis après le poisson. Ré, t'en es où? J'arrive. On attend Ré aussi, bien évidemment. Attends, mais il y a un truc chelou, il y a un fantôme et tout là. Quoi? Oh, non, ça marche pas, Eden. Attends, je me fais attaquer par le fantôme. On peut pas faire des omelettes. Aidez-moi! Et moi, je pense pas. Vous êtes là ou pas? Oui, tu vas devoir mourir, je suis désolé. Non, regarde, il y a un fantôme derrière moi là. Je vais te sauver! Sauve-moi! Non, mais bien d'accord. Attends, what the fuck? C'est la première fois qu'on voit lui. Oh, il est dégueulasse. Les gars, je suis en train de tenter un truc. Attendez, je vous dis le résultat que ça fait. Je tente un truc. Attendez, je vous dis le résultat tout de suite. Qu'est-ce que ça me donnait? Les gars, j'ai une omelette! On peut faire des omelettes avec des œufs de serpent, gros! Et je viens de potionner comme un gros porc! On est en train de se battre contre des fantômes et le mec il cuit des omelettes, quoi! Mais gros, on peut faire des omelettes! Mais en fait. Bon, on descend, les gars! Mais Eden, détenez la vérité! Sora, c'est toi qui as mon stuff! Il me paraît qu'il y a un trésor sous les palmiers! Oh, ah bon? C'est la merde, les potes! Tu m'écoutes pas! Un trésor sous les palmiers, Clarouchka! On va récupérer ton stuff, frérie! Bah non, bah c'est si jamais on voit ce fameux palmier, on pourra aller le voir. En tout cas, merci Glarushia pour le petit don. Bah les gars, on peut faire des omelettes avec des œufs de serpent si jamais. Allez. Ah, il est là. Donc ça part sur les omelettes. Je me fais attaquer par l'ours. Des œufs. Putain, je savais pas en vrai qu'on pouvait faire des omelettes, mais c'est ouf. Ne tuera pas, oui. Par contre, une omelette aux œufs de serpent, je suis pas sûr que ce soit très bon, hein. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Hop. Ah. Eh bah nickel. Il faut vraiment qu'on rentre dans la grotte, les gars, là c'est vraiment... Ça donne combien de nourriture? Ça commence à être insupportable. Une omelette ça donne 2 de bouffe, d'accord. Une omelette égale 2 de bouffe. Lâche ton omelette. Hein? Lâche ton omelette et fuis avec nous. Mais attendez, il faut que je mange, les gars. Mais 20 minutes et son omelette. Mais c'est normal, j'ai mis un four exprès pour cuire de la bouffe, les rayes. Il faut manger. On a pas le temps. Ouais, mais alors y'a pas le temps. Mais moi aussi, parce que sinon je vais vraiment crever. Du coup là, quand j'aurai ma jauge de bouffe au max, je serai bon. J'attends juste mon poisson. T'as des torches ou pas? Aïe! Aïe! Laisse-moi tranquille! Je vais crever! Aïe! Juste mon poisson, moi! Oh mon poisson! Ah non! Oh my god! Ah l'enfoirasse, il m'a eu! J'ai ton omelette aussi là! Mais non, mais j'attendais mon poisson!
Mais en même temps, vaut mieux. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment? Bah oui, parce que j'ai besoin. Oh, mais il y a deux poissons là. Au moins, Riri et moi, on est full life là. On est parti. Non, mais à l'extérieur, il y a des fantômes et tout le bordel. Hein. C'est... Ah ouais, mais non, mais c'est. Rejoignez-moi, moi je suis ça mal. Ça part légèrement ouais, au steak. Ouais, hein, mais on arrive, clairement. On arrive. Je suis dans la peur. Hein. On va jamais y arriver. Hein. Je suis dans ma paranoïa. Hein. Ah, carrément. Donc, Frit, on rentre en premier pour récupérer son stuff si jamais. Yes. Cours, Frit. Bah, je cours. Je suis en train de repasser par le rivage. Attends. Il y a tous les deux fois. Je vais te passer à côté de chez. Attends, on est sur le bon chemin là. Ah oui, la grotte elle est près du village, je crois. Hop. Je me dépêche, par contre la pluie c'est moche. C'est moche la pluie en plus dans Minecraft. On a vraiment 4 ans, c'est magnifique. Oh là là. Il y a des monstres absolument partout. Il y a vraiment. Eh, mais il y a un loup-garou, la vérité, il y a un loup-garou devant la grotte. Ouais, non, mais rire, arrête les bêtises. Mais y'a trop de trucs devant la grotte en vrai. Je te jure, je sais pas comment je peux atteindre la grotte sans attirer le loup-garou. Je crois que j'ai le loup-garou derrière moi. J'arrive, oui, attends, on va essayer de. Je vais attirer le loup-garou. Je. Non. Ah ouais, il est juste devant. Non, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Il a gros pas, je crois. Il a gros pas, oh, je vais pas y arriver. Ouais, bah, avec ma chance. Ah, mais j'ai ton stuff, Frit. Mais les gars, mais vous avez volé tout mon stuff. Les gars, il y a un chevalier. Mais ouais, non mais. Oh, ouais, il y a le loup-garou qui me suit. D'où il a gros pas? D'où il a gros pas? Il a gros, il a gros, il a gros. Aïe aïe aïe! J'ai rien pour me défendre. Il me faut mon épée. C'est bon. Les gars, vous avez mon épée parce que Riri t'as pris tout mon stuff. C'est la merde. Ton épée. Merci, j'ai mon poisson aussi. Ah. Attends, mon épée. Mon épée. Non, non, j'ai récupéré mon poisson grillé qui était là depuis tout à l'heure. Il y a un ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, on va jamais s'en sortir. C'est quoi ce live? On va jamais s'en sortir. Là. Pourquoi ça part toujours au steak chez moi? Oh là là. Bon, du coup, il y a encore une partie de mon stuff qui est là, je crois. Ouais, j'ai retrouvé ma côtelette. Ma seule fiole d'eau. Hop. Bon, bah, entre le loup-garou. Ah, c'est calme d'un coup sans la pluie, hein, ça fait du bien. Hein. Oh là là. Qu'est-ce... Oh putain, ouais. Quoi? T'es tombé? Par contre, les potes, vous avez vu ça? Il y a masse champignons. Hein. On va pouvoir faire des soupes. Voilà, avant de passer aux champignons, on va penser à détruire tout l'écosystème qui vit dans cette putain de grotte. Et bah... Vous avez des torches? Oui, j'en ai 22. Mais déjà, faudrait faire un petit passage pour descendre. Ouais, mais entre le loup-garou là qui essaye si de. Si on fait un petit passage pour pouvoir descendre, et bah le loup-garou, ça lui fera un petit passage pour pouvoir. Les gars, venez m'aider! En effet. Attends, bah je crois que je vais mourir. Attends, mais il y a des squelettes et tout, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi t'es tombé? Non, rien, viens pas de bon. Je vais tuer les squelettes. Ne inquiétez pas, les gars. Je suis un tyran. Je maîtrise la situation. Elle est parfaitement maîtrisée là actuellement. Il y a un orque à deux têtes. Merde! Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, on aurait jamais dû venir ici. Pour tuer les loups, c'est avec une épée en or. Genre, c'est plus facile de tuer les loups avec une épée en or, sérieux? Klaushka, elle connaît toutes les bails. Merci Klaushka pour l'info, mais là malheureusement on n'en a pas. Eh, hey, j'ai battu le loup-garou en moi tout seul. Franchement, hein. Tu vises mieux dans PUBG. Ah, je veux pas prendre ces trucs là. Fortnite, hein. Là, franchement, c'est terrible. Hein. Ce qui est terrible, c'est ma vie. Et j'ai gagné. C'est quoi, les gars? J'ai un œuf d'Oslo. C'est quoi un Oslo? C'est un chat. Ouais. Qu'est-ce que je fous avec un œuf d'Oslo? Reviens, Lily. Moi, je prends des petits. J'arrive. Je vous attends, les gars, parce que là je suis tout seul et j'ai un peu peur, je sais pas où Mito. Riri, t'inquiète pas, j'ai un arc, je peux te couvrir. J'ai peur, je suis tout seul dans la grotte. Par derrière, ah, il y a un orc à deux têtes. D'exécution. Au secours. Oh là là, parce que là ça fait 4 fois qu'on fait. Il y a un orc à deux têtes. Oui, c'est ce que je disais, effectivement. On arrive. Et pourquoi il y a des molécules là qui gigotent dans les airs? Non, mais l'XP il danse la Macarena là actuellement. Ah, mais la lumière, là. Y'a les pompiers chez moi! Je crois qu'ils ont compris qu'il y avait des orques et tout, je crois qu'ils ont compris que c'était la merde. Moi je suis dans la merde parce que j'ai qu'un orc. L'orque électrique ça va être un boss de ouf, il faut absolument qu'on s'y mette tous ensemble. Oh le bâtard il fait mal. T'as un orc en slip? On va pas se faire avoir par un orc en slip? Oh la vache! Wow. Eh bah je suis décédé, je suis actuellement décédé. Déjà, pourquoi je peux pas avancer? Salut de Monsieur Jack là. Les gars, j'ai un arc. Casse-toi, toi, je le défonce avec mon arc. Bah, défonce-le, hein, vas-y. Défonce-le, je te donne des flèches. J'ai une flèche. Sérieux? Ouais. Dégage. Dégage. Oh non. Oh, les mais il y a des. Transforme en loup-garou. Les gars, prenez pas mon stuff, hein. Ne les prenez gars, surtout pas mon les stuff. Les clochards, il y a 3 clochards qui s'est transformé en 3 loup-garous. C'est eux, ça? C'est quoi, c'est map?
Les gars, il y a eux qui est dehors près d'un creeper. Je laisse eux là, mais la vérité, il faut pas qu'il explose. Super, bah vraiment, je le mec a quand même mis dans la même phrase, il y a eux à côté d'un creeper et je laisse eux là, mais faut pas qu'il explose. Je pense que c'est la dernière fois que tu voyais eux, hein. J'espère que tu lui as dit au revoir. Non, mais parce que le creeper va pas exploser s'il y a eux à côté, c'est juste s'il y a moi. Et je parle pas des chats, les siamois. Parce que là, c'est tellement mouvementé ce live, c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi ce qui se passe. Mais là, c'est vraiment, mais c'est la guerre, hein. C'est clairement la guerre ce live, hein. Le gars, là, mais il y a un ogre vert à deux têtes, mais il y en a partout de ces conneries. C'est pas possible. Bah, par contre, t'es relatif. Bah, il y en a pas mal quand même. Pour le loup-garou, mais bon, c'est pas grave. Oh, oui, mais entre les loups-garous et les orques à deux têtes, on est servi. Oh, hein. C'est bordel. Si vous voulez de l'action, moi je dis abonnez-vous. Il m'a capté. Mais non, mais d'où? Bon, du coup, mon stuff, est-ce que vous me l'avez volé ou pas? Non. Ouais, je vais le défoncer là. Ah, voilà, mon stuff, il est là. Hop là. Nickel, ça aussi c'était à moi. Ça c'était à moi. À moi. Il y a un coffre là-bas. Les gars, il y a un coffre là-bas pour récupérer. J'ai ouais, il y a un coffre, c'est ça qu'il garde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je fous là? Alors, s'il garde ça, c'est qu'à mon avis, il y a un truc intéressant à l'intérieur. Vous avez ma fiole d'eau, les potes? J'en ai plus. Absolument pas. Moi j'en ai une remplie et 4 vides. Nah, ouais, c'est peut-être moi parce que j'ai 4 vides et justement une remplie. Combien de frites, il y a un coffre là-bas qui est gardé par 3 loups-garous. Ouais, je vois ça. Mais t'as vu, il y a un loup-garou? T'as vu? Il y a un loup-garou avec une queue rouge et jaune et tout. Il est spécial celui-là. J'avoue. Mais c'est un boss en fait. C'est pas. Il est vénère en tout cas. Mais ouais, c'est un. Il y en a un qui arrive vers moi si jamais. Oh oh. Oh, le creeper. Il se vénère. Vas-y, aide-nous le creeper, aide-nous, explose le glou, explose-le. Explose le glou. Allez, astre, allez. Créature des enfers. Ok, c'est bon, bah le creeper, il est mort. Allez-vous-en. Mais c'est quoi ce loup? Regardez-le. Il a une balafre. Il a une cicatrice. C'est le Harry Potter des loups-garous. Quoi? Au secours, putain, il enflamme les gens. Il enflamme les gens. Mais qu'est-ce que c'était que cette connerie? Je vais crever. Il fait mal, hein. C'est cet épisode, c'est du nawak. C'est un loup-garou du Nether. C'est un loup-garou du Nether. Il est efficace, ça rebondit sur lui. Meurs. Les gars. En fait, je pense qu'il va aller des effets un peu plus. Mais il a trop de vie. Allez, je suis en train de. Oh là là, il me faut de l'eau. Riri, de l'eau. Je suis en train de dégobiller là. J'ai pas d'eau. T'as pas d'eau? Merde. T'as de l'eau? Ça va? Non. Il me faut de l'eau, moi non plus, j'ai pas d'eau. Ah, c'est bon, ça s'est calmé un petit peu là, mais j'ai zéro eau. Hein, si jamais. Ah, mais y'a de l'eau en bas, les gars, y'a de l'eau en bas. Sérieux? Ouais, là-bas, y'a de l'eau. Il me faut juste une folle vide, s'il vous plaît, les potes. Si vous en avez, parce que là, on me les a pris. Aïe, mais je t'en ai donné 4. Ah oui, je les ai vus. C'est bon, je les ai vus. Ah non, mais on va jamais arriver à atteindre l'eau. Je vais me faire un stock d'eau. Si, aïe. Mais je pense, oh non, mais on a plus vite remonté. Il y en a un autre, il vient de pop, mais putain, mais putain, il me blague. Je remonte, hein. Moi, je m'en fous, je remonte pour remplir l'eau. Aide-nous, Riri. Il faut aller à la source. J'ai plus qu'un cœur, je vais voir la source. Ouh, ça, c'est en train d'hurler là. Ah là, ils sont en train de se dire, putain, on va les dégommer. J'arrive. Ah merde, je suis en train de me mettre où là? Ah, de la lumière, yes. Et la lumière fut. Eh ben franchement, c'est pas évident, hein. Clairement, je vous le dis. Franchement, je vous le dis. Comment vous êtes descendus, les gars? Okay. Ah, moi j'ai été en mode YOLO, j'ai pas de mytho. Ah! Alors, de l'eau. Ah, oui, c'est bon. Ah, très bien. Le nombre de morts dans cet épisode, c'est assez incroyable. Hein. Je vais pas dire, s'il y avait un compteur de morts, là, on serait déjà presque à 10. Alors, attends, on a rien vu. Aïe! Attends. Toi, déjà, mon gars. Ta grosse tête verte là, voilà, ça c'est terminé. J'ai le pop-up devant les loups-garous là. Waouh. Les gars, je veux juste prendre de l'eau s'il vous plaît. Là, de l'eau, tu vois. Il y a tout le loup-garou. J'ai plus qu'un cœur, les potes. C'est la fin pour moi. Mais non. Mais je mourrai en tant que héros. Non, gros, je vais t'aider. Attends. Ça va le faire, on va les avoir. Le bruit que ça fait, c'est. Mais c'est affreux, hein! Les bruits de tout, sont les assez impressionnants! Oh non! Oh merde! Oh. Je suis dead! Je suis mort! Je suis mort par les loups-garous, mais t'es mort parce que Marie t'a tué! Mais non, c'est parce qu'il est passé devant moi! Ah, c'est Riri qui m'a tué! Mais non, c'est parce que t'es passé devant moi! Cette go m'a tué! Non!
Wow. Mais non, je l'ai pas trahi. N'importe quoi. Du coup, ne volez pas mon stuff, s'il vous plaît. Déjà qu'il était pas ouf. T'inquiète, hein, tu nous connais. Ouais, bien sûr. Par contre, il y a un grizzly. Non, eh, les grizzlies, c'est bon. J'ai eu ma dose la dernière fois. C'est bon, stop. On est pas dans les frères des ours ici. On s'étend. J'ai toujours pas de torche. Ok, il y a un cheval qui est en train de. Il est ni. Le journal de bord est où? Ah ouais, putain, journal de bord, les potes, le c'est vrai, journal il est dans. De bord. Il est dans mais la grotte sûrement quelque part. Arrête. De bord quand même. T'as mais, perdu le mais les gars, bord. Vous avez vu le nombre de fois qu'on est mort? Attendez, il faut le trouver. Bah c'est ouais. De blague. Non, mais les potes, c'est vrai qu'on rigole, rigole. Mais si on le perd, on te tue. Ouais, mais en même temps, les gars, on vient de trouver je sais pas combien de fois dans la grotte. Ouais, mais bon, on a quand même récupéré le stuff à chaque fois, du coup. Ouais, ouais, mais il doit être là alors. Vous voulez pas sur vous? Les gars, je le trouve pas. Vous voulez pas sur vous, les gars? Moi, je trouve du diamant. Non, non. Non, arrêtez, pas de blague, s'il vous plaît. J'ai trouvé du diamant. C'est pas possible, il doit forcément être là. Et le journal de bord, en fait, je pense pas que ce soit une idée qu'on l'embarque dans les aventures. Hein. On devrait vraiment le laisser dans un coffre avant de se barrer. Carré. Du diamant. Mais oui, non, j'ai vu. Putain. Mais tu m'as vu, moi. Regarde, regarde-moi. Ah, ah. Voilà. MDR. C'est quoi? Dites-moi qu'il est là. Pendant dites-moi combien de temps, oui. Dites-moi qu'il est là. De quoi une minute. Mais non, il est pas là-dedans. Il y a de la redstone. J'ai une dent de requin et j'ai pas journal de bord, c'est une blague. Dent de requin? Les gars, il y a un gang de squelettes. Mais ouais, j'ai une shark tiff là et j'ai pas de... Non. Ah, les gars, ah, les gars. Ah oui, ah, là il y a toute la famille. Hein. Ah clairement, il y a le cousin. Il y a le cousin, il y a la mère et tout. Hein. Attention, il a appelé sa famille. Non. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Bah après on aura qu'à en recréer un et on aura jusqu'à revoir dans les... Y a pas de recréer, tu veux non mais, je, veux, non, mais je, veux dire, dans, je veux dire dans le pire des cas, on a jusqu'à retourner dans la diffusion et renoter et remettre tu vois mais... Ah non. Mais je sais pas où il est moi les gars, hein. On est mort 36 minutes. Il y a déjà récupéré ton stuff, t'es même pas loin où ton stuff est mort. Mais si mais ouais. Le stuff, je l'ai, il est perdu plein de fois tu vois. Et non plus, mais le stuff il va despawn hein. Mais je sais pas. Putain, les gars, je me fais attaquer par un pégase noir là, gros. J'ai pété un plomb. Je commence à avoir mal, je suis en train de chercher mon truc. Il y a un pégase noir qui est en train de m'attaquer. Mais c'est bon, stop. Mais stop, gros, laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Mais venez m'aider, s'il vous plaît. Mais oui, mais on n'arrive pas à remonter, nous, parce qu'on a sauté comme ça. J'en ai marre, moi. Putain, je suis en train de chercher le journal de bord, je suis déjà inquiet pour ça. Regardez juste la phrase. Free ninja was slain by horse mob. Mais sérieusement, mais. Moi je le vois pas horse mob. Il est où? Je vois pas. Bah, horse mob, à mon avis, ah, il est. On a pas ouvert le coffre du coup, il y avait quoi? Il est derrière toi, Sora, retourne-toi. Wow, salut! Ah mais non. Meurs, créature d'enfer. Bah, bah du coup, nul, journal de bord. Il était nul, ouais, mais gros, j'avais pas de vie moi. Merci! Oh attends, mais oui, c'est vrai! Mec, il y a 3 tentes, 3 lits et 3 3 sacs à dos. Sérieux? Voilà. Ouais. Ouais. Lourd. Putain, c'est trop bien. Une tente chacun, un lit chacun, un sac de couchage et un sac à dos. Bien. Et génial, putain, c'est trop lourd. Mais attends, les gars, juste le journal de bord, il est mort. C'est plus un journal de bord, c'est un journal de mort. Descends, va là-bas. Mais ouais, mais je suis mort. Mais le truc, c'est que je suis mort à plein d'endroits différents. Du coup, si on a pris nos. Mais oui, mais récupère ton stuff de partout. Mais j'essaye de chercher depuis tout à l'heure, justement, parce que je suis mort à plusieurs endroits. Vous voyez encore des choses par terre? Parce que entre nous tous qui récupérons. Ah, il est là, les amis! Il est là! Oui, il est là, c'est bon! Oh putain, il a ressuscité! Il est parmi nous! Il est parmi nous! Vous aurez dû checker, les gars, avant que ça disparaisse. Juste vite fait, regardez si il n'y a pas pourtant, moi j'ai checké, hein, mais je l'avais pas vu là. Bah, moi je l'ai. Moi non plus. Oh, j'ai eu peur! Eh, on le prend plus jamais en expédition, hein. On le laisse dans le coffre. Non, non, parce que imaginez que je tombe dans la lave là où quelqu'un de nous tombe dans la lave un jour. Il est plus là, hein, le journal de bord, je dis ça, je dirais. J'avoue que c'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, j'hésite à aller le. Bah, je vais le garder. Du coup, je viens de mettre le sac à dos sur moi et en fait, on a eu un inventaire supplémentaire. Oh, trop bien. Oh, nice. Vas-y, fais voir. Il me prend le sac, tu le mets dans ton inventaire. Enfin, c'est sur les deux petits carrés à gauche. Tu le mets et en fait, à l'intérieur, t'as ton petit. Tu peux mettre par exemple tes trucs précieux. Non. Attendez, il faut que je voie les tentes là, parce que c'est vrai que moi je les ai pas encore vues. Oh, génial. Est-ce que les tentes, quand tu les casses, tu peux les récupérer ou c'est juste... Oui, je pense. Ce serait relou sinon. Putain, c'est trop bien. Oh yeah, 4 Enderman. Non, 4. 4. Il y a aussi un ogre bleu si jamais, hein. Et des creepers. 4 Oui, 4. 3 creepers, 4 Enderman et un ogre.
Mais 4 ? Non, il y en a 3. 3-4. Non, il y en a 3, je crois. Ouais. À 3 ? Non, c'est bon. Il y en a 3, il y en a 3. Et il y a un ogre. Bon, déjà, on se débarrasse des creepers. Déjà, une bonne chose de fait, ce sera ça. C'est l'ogre dont il faut se débarrasser. Non, d'abord les creepers, parce qu'ils peuvent nous péter à la gueule. C'est okay. Blague, tu rigoles ou quoi? Bah oui, mais les creepers ils peuvent venir et nous exploser, tu vois donc. Il est mort? Ah, non, il est là-bas, Oui. Tant que tu les regardes pas, ils sont inoffensifs. Ouais, mais toi tu louches toi. Non, je fais mal! Il fait mal! Là tu loucheras pas, hein. Promis. Il fait mal. Il fait très très mal, hein. Il m'a dégagé, hein. Il a cru que j'étais une batte de baseball, frère. Il m'a mis un coup de massue. Sérieux? T'es pas prêt, hein. Viens, il a drop 2 diamants. Arrête! Mais génial! Ah oui? Lourd, putain. Les gars, est-ce que je louche sur les 3 zones normales en même temps ou pas? Par contre, on rigole, on voit pas le fond du bol, mais là on est en train de passer à côté de plein de blocs de fer. Je te déshérite. Mais tu m'as pas hérité déjà. Moi aussi. Moi non. Moi je reste dans mon. Ah! Mes yeux! Hop. Ah! Non. Je décale. Bon, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de m'attaquer au gang des Enderman là-bas. Regarde, je te range, je le dis tout de suite. Si je m'en sors, appelez-moi Jésus. Oh putain, ils sont en train de vibrer là. Ils sont en mode vibrerie. Allez, 2-1. Vas-y, jetez des gros. J'arrive. Insupportable. Ah. Eh ben, vous pourrez pas m'appeler Jésus. Je m'en suis et pas sorti. Les gars, le journal de bord, récupérez-le pour moi s'il vous plaît avant qu'il disparaisse. Dans oui, le pire des cas. Le jamais... journal de bord, j'ai. Yes. Ah bah non, mon stuff. Sora l'a récupéré normalement. Je le mets dans mon sac à dos. Sac à dos. Oh, ouais. Réflexe, mais on a vraiment 4 ans. Ah, mais c'est ça, c'est comme la carte, hein. C'est la carte. C'est en la carte, fait, quand on fait tomber le sac à dos, tout ce qui était à l'intérieur reste à l'intérieur si jamais. Ah, mais goût. C'est bon à savoir. Ah, ouais, le sac à dos. Oh, c'est trop bien, j'avoue, c'est comme dans Pokémon, frère. C'est un mini inventaire. Du coup. C'est pas mal hein, en soi. C'est cool. Petit sac à dos comme ça, là. Le son de l'enfer, ouais, c'est ça. Alors attends. Par contre, j'ai mis quelque chose dans le sac à dos. Je suis dans le village. La vérité, ça a disparu. Qu'est-ce que tu me sors? Je te jure, j'ai mis un diamant dans le sac à dos. Il a disparu. À moins que j'ai jeté. Vachement plus paisible ici, hein, putain. Autant la grotte, c'est l'enfer. Autant dehors, il y a des petits oiseaux qui chantent, les moutons, les cochons. C'est tranquille. Là, c'est vraiment le contraste, quoi. Hop. Mais je te jure, il y a un truc qui a disparu. Excusez-moi, je suis parti trop loin. Bon, petit coup, moi. À la maison. Chef, un petit verre, on a soif. Hop. Quoi? Aïe. C'est quoi, c'est bon? Aïe, mais putain, je me suis déjà cassé deux jambes avant même d'arriver à l'endroit, quoi. Mais c'est ouf. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je me demande. Il est où mon stuff, du coup? Là, il est là. Ok, allez, on y va. Oh my god. Hop. Quoi, my god? J'ai failli tomber dans le trou. Tu m'as fait peur, t'es folle. Hop. Bah, okay. J'ai quand même failli tomber alors, dans le trou. Alors, ça part sur. Quand même, un minimum. Déjà, on remet les petits potins. Ça, tac. Ah, toi aussi, tu l'as dans la tête, Brit. Je t'ai entendu. C'est pas ton diamant, sérieux? Ah, j'ai mon petit cookie fish là, d'ailleurs que je vais manger, je pense. Ah, c'est possible. Non, ça sert à rien, au final, on se restaure pas. Je sais pas. C'est bizarre, je sais pas. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Bizarre là, vraiment. Eh, vraiment, hein. Du là, coup, j'en ai profité pour prendre un petit peu de fer, parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on n'a pas récupéré un seul. Et j'ai perdu ma pioche. En fait, il spawn toujours par 3 ou 4. Mais les gars, regarde. À mon avis, c'est Sora qui l'a. C'est vrai qu'il y a ma pioche. Il y en a 3 aussi. Hein. Toi aussi, t'es Marseillais sur les bords. Bon, j'arrive, les gars. 3, 1, 2, 3, 4 déjà. Ok, ouais, j'avoue. Ah merde, ouais, j'avoue, il y a un gang d'araignées là-bas. J'arrive, Riri. Aïe, oh, j'ai soif. Riri, tiens, Riri. Ah, c'est bon, t'as de l'eau, c'est bon. J'ai de l'eau, mais faut que j'en re-remplisse. Moi aussi, faut que je boive. Faut que je boive un petit coup. Du coup, les amis, pendant qu'on est en train de boire, j'en profite parce que. Putain, les bruits sont dégueulasses, sinon vous entendez même pas. J'en profite. Si ce n'est pas déjà fait, ah pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le fameux trio légendaire que sont les 3M. Du coup, je vous invite. Les 3M Legends. C'est ça, 3M Legends. D'où le nom de la série, hein, très clairement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais bien évidemment également aux deux chaînes dans la description qui sont bien évidemment les chaînes de Sora et de Marie. Du coup, n'hésitez pas à les vous abonner dans la description. Ils le méritent et ils sont super cool. Et on aura encore plus de délire. Ce n'est pas fini. Hein, les 3M sont là, ils sont présents. Ah, it's the beginning. On vous réserve beaucoup, beaucoup de choses et puis voilà.
Du coup, merci en tout cas d'être là et de nous suivre à chaque fois, c'est super cool. Des bisous à tous et à toutes. Des bisous. Et bah du coup les gars, on a calmé un petit peu la grotte quand même là. C'était l'enfer, mais là ça va. À part McGonagall là-bas. Non, il y a McGonagall en dessous, hein, détends-toi. Ouais, mais je lui fais expert l'Irbus dans ses fesses et c'est bon. C'est vrai, ça on a tué le plus gros, c'est bon. Bah tu sais quoi, je suis tellement un thug. Bah écoute. Et comme j'ai pas mal de cœur, hop, c'est parti. Sora, c'est toi qui as le journal de bord ? Non. Et gros, c'est toi qui l'as récupéré, tu l'as dit ? Bah non, les gars. Si. Ouais, il nous fait un prank, il nous fait 60 ans sa voix. Les gars, j'ai pas le journal. Non, tu l'as dit tout à l'heure, 60 ans ta voix. J'ai pas le journal de bord. C'est pas moi qui l'a non plus. Bien sûr. Théo. Arrêtez avec votre journal de bord. Non, mais il a dit qu'il l'avait récupéré. Les gars, je l'ai pas récupéré. Je voulais laisser. Oui, bah oui. Tu l'as laissé ? Oui, bien sûr. Bah, on est. J'exige une photo alors en guise de preuve, clairement. Par contre, c'est la fin de la grotte. Par contre, gros, tu m'as pas rendu ma pioche. Oui. Hop, tiens. Merci, parce que du coup, je peux pas piocher sinon. C'est la fin de cette. Tu peux pas piocher ? Non, mais tu sais, piocher pour moi, c'est piocher des cartes, tu vois. Bah. Tu miner. Ouais, oui, vous m'avez compris. Du coup, bah. Ouais, c'est la fin de la grotte. Il faut miner un peu. Là-bas, sur laquelle Marie est tombée, par les passés. C'est pas vous t'as compris ? Yes, mais du coup, tant mieux. Sinon, il y a une autre grotte aussi. Bah, le but, c'était pas de défoncer des monstres, mais plutôt de récupérer des trucs, non ? Bon, on a fait pas mal, non ? Bah, on a pas trop miné, hein, jusqu'à présent, je trouve. Hein. Enfin, ah, du moi, cas, moi pas. Quand même pas plus de choses, hein. Oh ! Ouh, tu m'as fait peur, gros. Bah, avec le flipper. Moi, j'ai pour l'instant, j'ai 30 de fer, 4 de diamant. Ah, ça va, du coup, t'as miné un peu, mais et moi, je vais miner un peu de charbon. Parce que le charbon, c'est important quand même. On n'a pas vraiment des masses. Ouais, le charbon c'est important. Hein. Et là il y a du fer. Moi je ramasse 1 million de champignons là. Ah, c'est du fer ou de l'or ça ? Je pense qu'il y a de l'or ici. Bah, le fer c'est en argent et de l'or c'est en or. Ouais, bah c'est de l'or. Mais comme c'était sous l'eau, j'arrivais pas à vraiment faire la différence. Mais c'est de l'or du coup ça. Attends, comment ça se. Ah, mais oui, j'ai pas pu. What ? Attends, y a un mochon. Les gars. Quoi ? L'or. Avec une pioche en pierre, tu peux pas la récupérer ? Non. Sérieux ? C'est en fer. Oh ah merde, putain. Bon, c'est pas grave, c'est de l'or, mais bon. Ah, mais l'or, ça sert à rien, de toute façon. Oui, ça sert à rien, à part faire joli. Bah, c'est pour faire des pommes en or, quoi. Ouais, j'avoue. Qui de nous trois a déjà fait des pommes en or ? Personne. Dans guise de série 3M, j'avoue qu'on n'est pas très très. Ah, on n'est pas très pommes dorées. De quoi ? Oula, t'es tombé dans le trou. Très bien. Fais gaffe, il y a une araignée qui va tomber après toi. J'arrive. Ah c'est bon, je sais pas ce qui se passe là-bas, ça a l'air d'être l'enfer, très clairement. Je lui ai fait tomber l'araignée. Ah merde. Très bien. C'est qui ça ? Il y a un clochard. Désolé, en vrai, je voulais la tuer. Yo ! What ? What the fuck, c'est quoi ça ? Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Oh, stop it ! C'est quoi ce cri ? C'est génial ! Mais il parle ! Imagination. C'est trop bien ! J'avais jamais entendu ! Merci Shadev d'avoir amené les. Bah, j'avais pas entendu en fait leur cri. Merci Shadev, du coup, et les 3M, c'est juste pour vous dire que je suis pas très présent sur vos lives, mais je continue à vous soutenir jusqu'au bout. J'ai pas eu le temps de lire. De la nuit ? Merci de changer ma vie, vous êtes géniaux, je vous adore. Ah, c'est super mignon ça. Merci à toi en tout cas d'avoir ramené le petit Bob et des bisous à tout le monde et à toi aussi. C'est pas grave si tu peux pas être présent, vous avez tous une vie, c'est normal que vous pouvez pas tout le temps être là. Tant que vous êtes là, voilà, quand vous pouvez, c'est tout ce qui compte, vous inquiétez pas. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que ça vous dit, genre, on s'en va de cette grotte parce que. Juste récupérer juste un petit peu de charbon. C'est là, on peut crever en fait, hein. Et du coup, Julie qui nous dit, j'ai entendu dire que les épées en or faisaient des dégâts sur les loups garous. Alors oui. C'est déjà ce qu'elle nous a dit. C'est ce que nous avait dit Jadina. Mais comment c'est vrai ça, en fait ? Je sais pas. Parce que depuis quand le loup est vulnérable face à l'or, alors que c'est censé être l'argent, logiquement. Bah, Minecraft, au niveau logique, ils sont dans le turfu. Hein, niveau logique, Minecraft, effectivement. C'est vrai que bon. Vous êtes vraiment en train de chercher la logique dans Minecraft. On part quand même sur du cassage d'arbres avec d'une main. Hein, donc bon, et de la pierre avec une main. Donc, clairement. Voilà, donc bon, je pense que ça passe. Niveau logique, je pense que. Le dauphin. Ah, mais vous êtes déjà deux en fait. Oh là là. Hop. Enfin sorti de cette grotte.
Magnifique, ma chérie. Quand tu repasseras vers la maison, vraiment passe par le rivage, Fritz, pour voir tous les dauphins. Par le rivage? Attends. Oui. Notre maison, elle est où encore? Ah ouais, je dois tout faire le tour ici. Par la droite. Ouais, yes, yes. En fait, on sort de la grotte et puis je vais par la droite, ouais. Avec une panthère, un petit fox, un rookie qui est là. Hop. Mais ils ont tous s'éloigné du rivage. Oh, il y a des autruches, les gars. Les autruches, on est d'accord que ça donne de la bouffe, hein. Hein? Les autruches, ça donne de la bouffe, on est d'accord. Oui. Oh, il y a des dindons. Il ouais. y a des glouglous. Il reste que je suis exprès. Il y a masse glouglou. Glouglou. Merde, c'est une panthère, ça. Attends, on se détend quand même. Moi, je veux bien attaquer les glouglous, mais les panthères. Mec, là, j'ai trouvé l'arche de Noé ici. La plage de Noé. Il y a masse. Les gars, il y a que des dindons. Ah, elles se sont beaucoup reproduites. Hein. Non, on est reparti à la base. Ah, mais là, c'était la dindon partie, hein. Ah, clairement, là, ils ont fait la fête, hein. Putain. Oh là là, je nique encore quelques petites vaches là et j'arrive. Désolé les vaches. Je sais que je vous fais des vacheries, mais c'était pas voulu. Honnêtement, c'est juste la survie qui m'oblige à faire ça. Allez, j'arrive les potes, j'arrive. Pas de soucis, hein, de toute façon. Je vois déjà plein de pointes au niveau de l'eau qui représentent tous les dauphins. Putain, les dauphins, je savais pas qu'ils étaient comme ça. Hein. Ça y va, pire que les bonobos, hein, putain. Oh là là! Ah, je peux pas les renommer! Putain, mais y a oui, masse on dauphin, peut plus les renommer! Il faut qu'on ait masse poisson! Putain, c'est n'importe quoi! Il y a des poulets qui s'allient avec les dauphins! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Ah, j'ai plus de canne à pêche! Ah, il y a F! Avec toujours nos amis les taupes hein, qui sont toujours présentes là! Et dès que t'arrives, hop là, elle entre dans le sol! Donc pas le temps de niaiser! Et en vrai, de loin, ça a de la gueule hein, notre truc pilotier et tout là! C'est pas mal! Hein non! C'est un énorme carré hein, dans les airs. Ouais, ça a de la gueule. Plus, ouais, mais c'est la nôtre. Parce qu'elle a pas fini ouais, d'écouter. Voilà. On modifiera après. C'est ça, mais comme c'est la nôtre, je trouve que ça a déjà de la gueule, perso. Alors on modifiera la structure après, t'inquiète. Yes. Sinon, le journal de bord, parce qu'on rigole, mais gros, tu l'avais bien sur toi. Moi, mais non, je l'ai pas, je rigole pas, moi. Mais gros, si tu l'as pas sur toi, on l'a perdu, hein, sinon. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous l'ai dit que je l'avais pas, je rigolais pas. T'es sérieux? Mais oui! Mais gros, tu l'avais dit que t'avais récupéré. Mais non, c'est un prank! Non, bah voilà! Ah, c'est un prank! C'est ah, un prank! Super! Ah là 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 là! Du coup, j'en aurais besoin pour écrire après dessus. Par contre, j'ai récupéré ma steak, les gars, donc je ferai le partage après. Ah, très clairement. Avant de finir le live, on nous a dit un truc et c'est vrai qu'on n'y est pas, on n'est pas allé vérifier. Le trésor sous les palmiers. Mais non, on va checker. Oui, c'est vrai. Attends, oui, on va dormir avant. On avait dit que. Oh, attends. Le soleil, le tropique! Oh, pardon. Oh, c'est, les gars, mais ça date là ce que vous chantez. Faut... Ah, mais je sais pas pourquoi. C'est quoi, c'est Nostalgie là? Nostalgie. On attend. It's music on me. Nostalgie. Bon, du coup, est-ce qu'on peut dormir s'il vous plaît? Ouais, non, mais j'avoue. Ouais, que, je faisais cuire de la viandasse. De la barbac. Tiens. Il est où? Merci. Oui, il y a un cheval squelette. What the fuck? Il y a un cheval squelette. Aïe. On va boire. Les gars, il y a un cheval zombie. Il est là. Là, la soif se fait. Mi bug. Il est où? Il veut son papa. Bonjour. Petit bébé. Il y a un ours derrière toi. Prix des soirs au mariage, ils mettent de l'ambiance. Mais tellement, hein, Riz, si un jour elle se marie, elle doit nous inviter. Hein. Pas besoin de chanteur, de karaoké, de ce que vous voulez. On arrive, on met l'ambiance. Ah bah clairement. Clairement. Ah, attention. En vrai, je sais pas si vous serez invité à mon mariage quand même. Oh, c'est pas très gentil ça. Hein. Mariage à 230 000 personnes, je vais avoir du mal à gérer les invitations. Ça commence à faire beaucoup. Ah, je pensais que tu parlais de 30 euros par personne, ça fait 8 millions d'euros. Je pensais que tu parlais de soirée et moi. Franchement, bah après la YouTube monnaie, hein, tu la sors ou tu la sors pas. Hein. Ah, bah ouais, mais 8 millions d'euros, j'aimerais pouvoir la sortir. Tu m'étonnes. Je pense que tout le monde. Ça part en The Voice, mais clairement, ça part en The Voice. Allez, eux. Tellement. Allez, eux. Ça part en The Voice. Merci beaucoup, Taouchia, pour le petit don. Merci beaucoup à toi. Voilà. Hop. Allez, on attends. Dort. C'est bon, on dort. On va y arriver. Oh, il y a mais qui Fritz? J'en avais besoin, ça me démangeait depuis tout à l'heure. Je les voyais, elle me regardait, je les regardais. J'avais le temps de faire ça. Ok. Très bien. Ça part bien sur une petite nuit. Moi aussi. J'essaie, retour vers le futur maintenant. Franchement. Dépêchez-vous, sortez vite avant que eux ils viennent. Je sors. Quoi? Vous allez être contents parce que là, je vais vous faire un petit cadeau qui va vous faire plaisir. Alors toi gros,
Toi, gros, déjà. Vas-y, champignon. Toi, gros, tu vas prendre ça déjà. Hop. Plus ça. Ouais, tu vois, ça c'est cadeau. Oh, toi, ça fait plaisir. Toi, Riri, tu vas prendre ça. Et tu vas prendre ça. Ah, mais Gusta. Eh bah voilà. Gusta, merci beaucoup. Eh bah, de rien, ça fait plaisir. On sort, vite, vite, vite. On sort. Eux viennent, vite, on sort. Vite. C'est trop triste en vrai, je faisais exactement la même chose avec mon chien quand je sortais parce que toi aussi mon chien il me suivait tout le temps et du coup à chaque fois on devait se dépêcher pour vite fermer la porte, ça me faisait trop mal au cœur parce qu'après elle te regarde là et tout, enfin oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Est-ce que toi et Marie iront avec Sora à la Paris Manga en février? J'ai vu sur Twitter, si oui, la box 3M sera prête. Alors je ne saurais pas te dire, je préfère ne rien dire parce que clairement je n'en sais rien. Ouais, parce que Paris Manga, ils m'ont annoncé sur leur Twitter en fait. Je n'en sais rien, c'est ça. Mais du coup, si jamais j'y vais, de toute façon, je tiendrai au courant via YouTube, moi, pareil, etc. Pareil, j'en ai aucune idée malheureusement. Je ne dis rien parce que je ne sais pas du tout. Et Riri, c'est pareil. Du coup, voilà. Mais merci en tout cas, Jadina, merci beaucoup. Et la box 3M, tu auras l'occasion de nous la donner, hein, t'inquiète pas. On y va. On va aller chercher le coffre. Et il va pas très très vite, le dauphin. Il va vraiment pas très très vite. Il va vraiment pas vite. Ah, mais bah moi, tout, il avance pas du tout, en fait. Hein, moi, je vais y aller à dos de rien du tout. Hein. Moi, je vais y aller normal. Moi, je vais y aller à la nage. Hein. Non, je vais courir sur le sable. Il faut que je mange. Parce que là, ma jauge de nourriture est vide. Si je mange pas, je vais mourir. Ça va un peu plus vite à pied, on est d'accord. Mais clairement. Je croyais qu'il y a encore, je suis explosé dans le mur. Y'a pas moyen d'installer de la nitro ou je sais pas, de mettre un turbo dans les. Putain, y'en a masse des dauphins, mais c'est pas possible. Frère, il est vraiment explosé en fait. De quoi? Je suis explosé, il est vraiment explosé. Il est explosé dans le mur. Ah, mais lui, bah, il est au bout de sa vie, lui. Ah, lui, il en a trop pris. Et juste d'où ça vient, cette légende qui a un trésor. C'est bon, il est reparti, c'est bon. Je lui ai mis un petit coup de fouet aux fesses, là, c'est bon. Parce que c'est les abonnés qui ont dit ça, mais yes. C'est ça, un palmier fait... Il est dégueulasse, le palmier. Mais où, les gars, exactement? Ah, mais c'est un citronnier, ça, non? Non, commence pas à faire ta... celui qui juge. Hein. Hey, y a des... Mais il y a des citrons, non? Regardez. Quoi? Bah là. Ah ouais. De quoi? Comment? Est-ce que j'apprends? Attendez, on a pas... Attends. Oh, y'a un bloc de diams. On n'a pas trouvé la bonne entrée, regardez. Genre, comment vous avez su qu'il y avait un trésor? Ah, c'est le chat. Ouais, mais non, mais je l'ai vu aussi, mais ouais, je parle d'eux. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont trouvé? C'est ouf. Bah, doit y avoir une énigme quelque part qu'on a soit mal élucidé. Et soit en vrai, il y a masse truc à découvrir encore. C'est bon. Hop. Elle est où l'entrée du coup? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entrée. On la cherche, justement, on la cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Il n'y a peut-être pas d'entrée en fait, finalement. Si, on a une. Mais juste qu'il est sans pelle, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que là, ouais. Ah, j'en ai une, moi, de pelle, c'est bon, hein. J'en ai une, attendez. Une pelle de fer, c'est parti. Un problème, vous avez pas de pelle? Appelez-moi, hop. Ah oui, t'as pas une autre pelle? Une en bois. Ah si, j'en ai une autre, tiens, en fer. Oh, il y a de l'eau qui coule. Gros, t'as pris la pelle en fer. Ah, pardon, excuse-moi. Mais c'était ma pelle en fer. Non, Ri, elle vient d'en jeter une. Excuse-moi, gros, tiens. Je te l'ai donné là. Je te l'ai renvoyé. De rien. Allez, c'est parti. Oh. Hop là. Ça s'est fixé. Non. Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Je vais reboucher ça. Arrêtez avec l'eau là. Ouais, et on parle pas de l'eau de One Piece, hein, excellent. Alors hop. Oh. Putain, il y avait une entrée quelque part. Mais ouais, mais il y en a pas, gros. Je suis sûr, il y en a pas en vrai. Aïe. Non, mais gros, mais. Il y a forcément une entrée, les gars. Forcément une entrée, on l'a trouvé. Je sais pas du tout. Attends, il y a encore de l'eau. Je sais qu'il y a un plat et un dessert, mais l'entrée je la trouve pas. Parce que je la vois pas du tout, moi. Alors ça par contre, c'était vraiment pas fou. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire comme là avec ça, ça... Arrête, mais on se frappe, on arrête pas de se frapper, putain. Ça va, on me frappe encore une fois, je suis mort. Okay, ouais, voilà, exactement. Du coup, on arrête de se frapper, là on se détend. Il y a pas d'entrée, les potes, hein. C'est sûr et certain. Hein. Si, t'inquiète. Mais ça en fait... se voit, Sora, quand tu fais ça, si jamais. Hein. Non mais c'est pas que ça se voit pas, c'est que juste parce qu'on arrête pas de se frapper et que c'est assez ridicule. Oh, merci. Oh là là là, il nous met bien. Là, c'est le panoramix des 3M. Hein. Oh là là. Les amis, on est obligé de faire comme ça parce que c'est tellement pas normal qu'on se réanime. C'est vrai que, effectivement, c'est dommage qu'elle puisse pas se régénérer. Hop là, voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, on a. Qu'est-ce que ça, c'est un trésor. Il y a 9 diamants dedans.
Est-ce qu'il y a, ouais, y a encore un trésor en dessous ou pas? Faut enlever l'eau, les gars, faut enlever l'eau. Oh, 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 je dois boire. T'as soif? Oui, je dois boire. Vite. Ok, c'est bon. Par contre, je suis toujours en train. Oh là là, fermez les yeux, les amis, parce que là, clairement, là, ça fout la gerbe. Hein. Mais gros, mais bouge! Mais j'essaye de bouger, j'arrive Tiens, pas. Tiens, prends l'eau, prends l'eau. Mais mec, mais au lieu de sauter comme un imbécile, attends, je sais pas, genre casse quelque chose pour pouvoir passer. Mais attends, je dois boire déjà dedans. J'étais en train de tourner dans les, tous les sens du terme là. Ah. Allez! Le trésor, du coup, c'est le bloc de diams? Laisse tomber, j'arrive pas à voir la base de l'eau. Mais je pense, ouais. Ici, je pense là-haut. Je pense. C'est déjà pas mal, hein. C'est parti. C'est pas, ça fait 9 Let's diamants. Go. Voilà, 9. Bon. Ça fait qu'on en a 14 ici pour l'instant. Franchement, okay, ça je passe, vois de l'eau en étant choses, dans l'eau. Pas de soucis. Vous pouvez même se faire mal d'équipement aussi. Hé eh C'est quoi vous qui venez de retirer l'eau? Oui. Non. Je t'en traîne. L'eau juste à côté, littéralement. Ouais, mais j'ai la flemme. De l'océan, mais. Ouais, mais j'ai la flemme. Oh là là. Bah écoutez, sur ce, ce fut un épisode riche en rebondissements. Yes, je dois juste noter la petite dernière phrase dans le journal de bord, du coup, pour quand même voilà, dire qu'on a été trouvé le trésor. Trouver le trésor sur le palmier. Yes, Henri. Du coup, c'est parti. Alors, c'est toi qui as le journal de bord. Hein. Ouais, c'est moi qui l'ai. Rive. Alors, on s'était laissé sur. On me dit que c'est vert, du coup, nous partions en direction de la grotte, ce qui nous réserve bien des surprises. Starpool est là, ça va roxer du buisson. Ensuite, 16ème page. Je peux pas les renommer, je suis déçu. Nous sommes donc allés à cette grotte. Ranger du bison. À cette grotte. Et comme on s'y attendait. On est mort. Puis on, on s'est réincarné. Puis on est remort. Attends. Comme on s'y attendait. On est remords. C'était très riche en émotions. Frère, j'ai explosé, il s'en va là. Beaucoup de morts. Beaucoup de peine. Je suis explosé, reviens. Reviens, je suis explosé, reviens. Mais après une longue bataille. Longue bataille. Les 3M furent victorieux, mais évidemment. Mais évidemment. Victorieux. On y va venir. Victorieux. Tous mes potes depuis tout à l'heure. C'est rempli de ressources que nous. Attends, franchement, je devrais faire un livre bientôt. Le livre fermer la page. Bientôt à la Fnac. C'est rempli de ressources et ça peut servir de tapis de souris aussi, hein, si jamais. Alors c'est attends, c'est rempli de ressources. Que nous. T'as deux fois, c'est trop rapide, c'est saloperie. Comment on dit que nous retournâmes? C'est ça? Nous retournîmes, non? Je sais pas. Retournîmes, c'est bizarre, non? Retournâmes, non? On retournâmes. On va mettre retournâmes, que nous retournâmes. À la base. Mais t'es bête, mais gif-toi du poisson, t'es en créatif. À la base. Hop. Une fois. Oh, mais ça, une fois restauré. Nous partîmes en direction. En direction d'un palmier sacré. Un palmier sacré qui nous offra généreusement. Généreusement du diamant. C'est sûr. Ces cris de perroquet qui me gavent. Qui me gavent. Qu'on va pouvoir terminer ce chapitre. Des bisous. Oui, j'en ai un autre. Ok, c'est bon. Mec, on est en train de renommer tout le banc de dauphins, mais... Qu'est-ce que vous avez fait encore? Des vrais enfants, c'est pas possible. Hein. Et c'est moi qui dis ça. Hein. Une fois que c'est pas moi. Où est-ce que vous êtes déjà? Attends, on est... Frites mousseux. Ah là là. Attendez, vous êtes en train de vous fendre la poire sans moi. Je sais pas où vous êtes, moi. Avec de
de fin. Attends, mais j'arrive. C'est du savon ou pas? C'est du hasard en fait. Hein. Oh. J'arrive les gars, je vais essayer de venir par l'arrière. Ça sera beaucoup plus rapide. Regarde, il y a un nouvel arrivant dans la famille. Bon, en fait, je vais contourner parce que là, beaucoup trop compliqué. Je vais devoir escalader. Franchement, je sais pas quoi m'attendre au niveau des noms des dauphins, mais je pense que ça doit être drôle. Oh, non mais oh, le pire, c'est que non. Quoi? On a tellement 4 ans d'âge mental que... Mais putain, j'arrive pas à les nourrir. Et si c'est pipi, caca... Je les nourris pas, moi, je les nourris pas. Regarde, je donne... Mais vous êtes où, les gars? Je vois pas, moi. Vous êtes près de la base? Non, on est dans l'eau, là, mais TP-toi, nous. Mais TP-toi. Comment on se TP encore? Ah ouais, attends. TP... Ah là là. Ninja. Mais j'arrive pas à monter dessus. Ah, merci, gros. Ah, je suis dans l'eau, Il faut que tu montes dessus, en fait. Tu montes dessus et dès qu'il y en a un qui t'accepte, et bah tu peux le renommer. Mais faut pas être en créatif, du coup ça marche pas. C'est lesquels qui ont, des noms? Parce que là, ils ont pas de nom. Bah, check, il y en a un peu partout. Check, il y en a un peu partout, ouais. Bah, oui, mais ils ont pas de nom. Attends, ils sont tous près de vous, je pense. Attends, tu sais quoi, ouais, je vais monter sur un dauphin. Il y en a plein par là, là, par ici, là, par là. J'arrive, gros. Parce que tous ceux-là, ils ont pas de nom. Allez, vas-y, mais j'arrive pas, y'en a pas là. Y'a des pieuvres. Putain, par contre, le bruit des dauphins, c'est extrêmement bien fait. Hein. Attends, j'ai pas dit. Mais ils ont pas de nom, les potes, putain, c'est pas drôle. Ah, Moustifrite ici. Là, y'a des bruits. Y'a Tectonique aussi. Et on parle pas des plaques ou de la musique. Par contre, ils sont en train de s'éloigner, les gars. Regarde, il y en a là. Je peux pas le prendre aussi vite. Ok, c'est bon. Et là, il y a la suite. C'est qui lui? On y va, MDR. Il faudrait qu'il y en ait un. On me dit que c'est vert. Ça, ce serait pas mal aussi. MDR, je suis mort, MDR. Le mec, c'est génial. Putain, ils sont lents. Les dauphins sont d'une lenteur. C'est abominable. On a 4 ans. Ah, mais c'est génial, c'est incroyable ce qui se passe. Ma mère, et je suis sûr qu'il y a un pardon du coup. Mais je sais pas où il est par contre. Il y a un pardon, il est à côté de moi, pardon. Il y a la vérité qui s'en va aussi. La vérité, il est parti. Et Tectonique qui arrive vers le. Eh non, mais. Pardon, il est ici. On regarde, il y en a là aussi, là, il y en a nouveau là. Starpool. Starpool. Oh non. Non, bordel. Oh, et franchement, ils nous en font peur. Ils sont incroyables, ces dauphins, quand même. Juste des dauphins, ça suffit, quoi. Ah ouais, non mais clairement. Oh du là coup, là. Attends, on a juste qu'à faire clic droit dessus et après, il devient notre ami. En fait, c'est aléatoire. Ça dépend, c'est aléatoire. Soit il kiffe, soit il kiffe pas. S'il te kiffe pas. Ah, et s'il te kiffe pas, c'est mort, alors. Pour toujours. Bah, je sais pas du tout si tu peux continuer. Casse-toi, alors. Oh, la violence. Ça, quoi. Oh, en même temps, il veut pas de moi là. Maintenant. Oh, venez voir. Mais moi, il m'aime pas. Il y en a aucun qui m'aime ici. Franchement, c'est dégueulasse, putain. Moi, je vais aller près des taupes. Ah, elles sont gentilles. Moi. Lui, je l'aime bien, lui. Parce que lui, il est coincé. Ouais, c'est bon, c'est bon. Putain, il fait un bruit de cochon. C'est un dauphin, il fait un bruit de cochon. Regarde, les taupes, elles sont gentilles. Bah, elle est partie. Des barres ici. Eh ben justement, je voulais prendre un dauphin pour la pêcher tête du Nether. Bien joué gros, merci, parce que la vérité, j'avais aucun dauphin, il y a personne qui m'aimait. Okay. Bon, je crois qu'on peut quoi finir ce live là-dessus. Ouais, j'avoue que c'est vrai qu'on a divagué là. On a divagué légèrement sur les dauphins. En même temps, on a tellement vécu de stress et d'émotion dans la grotte qu'il fallait un petit peu de remontant. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Il y a eux qui vous attendent ici. J'arrive, bien évidemment. Hop. Oh, ça fait du bien. Wow. C'est la merde. Ah, cet épisode était magnifique. Cette série est magnifique. Ah mais cette série, clairement, il y a tellement de bons moments. À la base, c'était parti en roleplay, puis c'est parti au coup. C'est vrai qu'à la base, c'était censé être RP. Bon, c'est à peu près... On va faire l'épisode suivant. Oui, bien évidemment. Et bah du coup les amis, c'est bon, moi j'avais noté tout ce qu'il fallait dans le journal de bord. Du coup, bah je le rendrai à Sora ou Riri, ça dépend... qui commencera, mais c'était bien cool. C'était bien cool. C'était rigolo. Yes. Du coup, ben moi, je vais me laisser sur le lit. Voilà.
Et je vais passer en full cap, bien évidemment. Alors. Bien évidemment. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour ces 3 heures de Minecraft, pour cette petite soirée. N'oubliez pas que c'est chaque mercredi. Des fois, il y aura peut-être des changements, on sait jamais. Il y a toujours des imprévus. On ne peut jamais tout prévoir à l'avance, mais généralement, c'est plus le mercredi qu'on le fait. Donc, bref, c'est chaque semaine. Un nouvel épisode, 3 nouveaux épisodes par semaine. On espère qu'ils vous ont plu. C'était grave cool pour les Team Rediff. Vous savez bien que vous pouvez aller checker chez Sora. C'était le 5ème chez Sora. Non, le 4ème chez Sora, le 5ème chez Ri et le 6ème chez moi. Il y a les hashtags de toute façon. Et on va tous les 3 mettre la playlist de toute manière. On la met directement après. C'est ça, on va faire les playlists parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait de mon côté. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est là, vous avez juste qu'à tout regarder depuis le début. Pour ceux qui sont pas au courant, ça en vaut la peine. Pas mal de délire et ça va continuer comme ça. Du coup, je fais plein de bisous. Merci pour les pouces bleus, pour les abonnements. N'hésitez pas à lâcher le dernier pouce bleu avant de partir, à vous abonner à la chaîne et également à vous abonner à la chaîne de Sora et de Riri si ce n'est pas déjà fait. Et puis, merci à vous deux pour cette bonne petite soirée. C'était super. Merci cool. À toi. Merci à toi pour cette De rien, c'est à chaque fois un plaisir. C'est à chaque fois un plaisir. Et bah, donc, voilà. Plaisir partagé, hein, toujours. Tant mieux. C'est cool. Eh ben ok, des gros bisous à tous, merci aussi pour les dons et pour les modos d'avoir géré le chat. Plein de bisous, c'était bien évidemment votre Fritos. Et Marie. Bisoura, tchou. Bye bye tout le monde. Ciao, cassoulet. Cassoulet. Et j'ai pas d'outro, du coup on se laisse sur un cassoulet. Cassoulet.